Bonjour et bienvenue dans Les Étranges Expériences, l'émission préférée des petits dégénérés. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial puisque nous allons cuisiner. C'est génial, j'adore la cuisine, ouais. L'étrange expérience d'aujourd'hui va être de préparer un cake tourniquet. Tu m'écoutes, tu me regardes et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'un cake tourniquet? C'est très simple, un cake tourniquet, c'est un cake normal préparé dans un tourniquet. Alors, pour préparer ce cake, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Il nous faut des œufs, du beurre, du chocolat, de la farine, du sucre, un bulldozer, de la levure, un fouet et un récipient principal. C'est parti les petits chefs. Alors, on va commencer par ajouter les 3 œufs dans le saladier. C'est parti. Alors, vous cassez vos 3 œufs de façon plutôt intéressante. Voilà, il faut faire attention à ne pas mettre les coquilles, hein, c'est ça le problème. Mais... Et vous battez tout ça une fois que vos 3 œufs sont dans le saladier. Oh purée. Ensuite, une fois que vos œufs sont battus, vous y ajoutez du sucre, 150 g de sucre. Hop là. Alors, voilà, j'ai à peu près mis 150 g. Vous y ajoutez dans vos jaunes d'œuf. Vous battez le tout afin que ça devienne mousseux. Donc c'est parti, on y touille. Une fois que c'est bien mousseux, on peut y ajouter la farine et la levure. Donc, allez, la farine, hop là, la farine, elle est là. Simplement une petite pluie de farine. Hein. Voilà, comme ceci, pas trop. Hop, on y ajoute la levure. Donc voilà, c'est parti pour la levure. Bam! On y ajoute maintenant le beurre. Ça, normalement, il faut le fondre, hein, mais comme on est dans un parc pour les enfants. Ensuite, on va passer au chocolat. C'est-à-dire qu'on va prendre nos plaquettes de chocolat et les briser. Comme ça. Hop! J'arrive pas, donc je vais casser à la main des petits bouts de chocolat pour faire les pépites. C'est la première fois que j'ai envie de vomir en cuisinant un gâteau. Et finalement, on mettra tout ça dans un moule à cake. Hop! Hop là! Ah. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire cuire au four. Ah, ça y est, mon cake est cuit. Ah, regarde-moi ça. Ah, il a une bonne gueule, hein. On va goûter.